Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, nous voici rassemblés en ce midi avec Saint-Michel, Saint-Gabriel, Saint-Raphaël pour dire merci à Dieu. Au commencement de cette célébration eucharistique, reconnaissons tous et toutes que nous avons péché. Seigneur, prends pitié. Dieu de l'univers, de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom, augmente notre foi pour développer ce qui est bon en nous, veille sur nous avec sollicitude, pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles et des siècles. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens, chapitre 2, verset 1er et suivant. Frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu avec le prestige du langage ou de la sagesse. Parmi vous, je n'ai rien voulu connaître d'autre que Jésus-Christ, ce Messie crucifié. Et c'est dans la faiblesse, craintif et tout tremblant, que je me suis présenté à vous. Mon langage, ma proclamation de l'Évangile, n'avait rien d'un langage de sagesse qui veut convaincre, mais c'est l'Esprit et sa puissance qui se manifestait pour que votre foi repose non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Parole du Seigneur.
Ensemble, méditons le psaume 118 et après chaque strophe, nous répéterons « De quel amour, Seigneur, j'aime ta loi ?» De quel amour j'aime ta loi, tout le jour je la médite, je surpasse en habileté mes ennemis, car je fais mienne pour toujours tes volontés. De quel amour j'aime ta loi. Je surpasse en sagesse tous mes maîtres, car je médite tes exigences, je surpasse en intelligence les anciens, car je garde tes préceptes. De quel amour, Seigneur, j'aime ta loi. Des chemins du mal, je détourne mes pas afin d'observer ta parole, de tes décisions, je ne veux pas m'écarter, car c'est toi qui m'enseignes. De quel amour, Seigneur, j'aime ta loi. De quel amour, Seigneur, j'aime ta loi. À présent, qu'il vous plaise de vous mettre debout pour l'acclamation à l'Évangile. L'Esprit du Seigneur est sur nous. Alléluia, alléluia. La joie du Seigneur éclate en nous. Seigneur est sur moi, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Chapitre 4, du verset 16 au verset 30. En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue. Remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors, il se mit à leur dire, « Aujourd'hui, accomplis ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils se disaient, n'est-ce pas là le fils de Joseph? Mais il leur dit, sûrement, vous allez me citer le dicton, médecin, guéris-toi toi-même, et me dire, nous avons appris
tout ce qui s'est passé à Capharnaüm, fais donc de même ici, dans ton lieu d'origine. Puis il ajouta, Amen, Amen, je vous le dis. Aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi le ciel retient la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. À ces mots dans la synagogue, nous devinrent furieux tous, et ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frère Maxime, je dis à ces deuxième jours dans moi. Moi, septembre. Moi, ça que nous dédié à Saint-Michel, Saint-Gabriel et Saint-Raphaël. C'est l'occasion côté nous chaque, nous toutes, nous venons ressourcer nous, nous venons chercher, découvrir grandeur, bon Dieu. Mais je dis à une façon spéciale, l'évangile que nous soutenons, a indiqué nous que Jésus, après baptême, et quelque temps il était passé, 40 jours dans le désert là, il a commencé la vie publique. La vie publique dans Galilée. Côté il a parcouru un pile village pour le guérir et pour l'enseigner. Mais il retournait dans le village li un jour dans Nazareth, village ça à côté il était grandi et pendant 30 années il était passé dans la zone ça. 30 années côté personne moun pas connaît rien de Jésus. Personne moun pas qu'a dit qui ça Jésus t'ayé ou t'a fait dans moment ça. À part cet épisode, nous connaissons les Jésus qui ont 12 ans, qui te fait croire que non, bas âge Jésus, il était en bas ventre maman, li, puisque maman et papa te mené dans le pèlerinage à 12 ans. Depuis après ça, il dit nous, maman la papa a cherché et retourné avec lui. Jésus obéit ensemble avec eux, il retourné. Après ça, il n'y a rien de Jésus encore. Pinga personne moun a posé au monde question à 20 ans qui ça Jésus t'a fait ou bien à 25 ans qui ça t'a fait. Yo pas dit nous rien de lui de ça. Ça veut dire ça yo ban nous an, li suffit. Pour nous, ça nous besoin. Et ça nous besoin, c'est le royaume ciel. Il y a une série de détails qui sont utiles dans la vie au monde, mais il y a une série de détails qui sont pas utiles en rien dans la vie au monde. Et ça, Jésus voulait faire nous comprendre, nous devons prendre autant de silence dans la vie.
Gen autant que vous gagnez dans la vie, c'est temps pour grandir. Ou pas qu'à dire, vous faites fête, depuis vous faites fête, ou besoin paraître. Gen autant que vous gagnez ou à vivre dans la vie, faut qu'on prenne temps pour prendre racine, pour prendre membre. Apprendre à rester dans la coquille, ou même qui besoin grandir, rester dans la coquille. Et ça, Jésus veut les faire comprendre. Comprendre? Ou fait paraître ou pas qu'à dans concurrence à moun. Ou fait paraître, c'est suivre ou suivre, observer pour observer. Ou pas qu'à faire rentrer dans le travail là, et puis ou voulez ses boss fouiller. Ou fait rentrer dans le travail là, ou commencer à critiquer directeur, qui est comme qui ça directeur fait, qui ça pas. Non, et pas travail ou vienne suivre. Ou vienne suivre, ou vienne observer. C'est ça, c'est le premier bagage Jésus voulait faire nous comprendre dans la première vision que nous sommes capables de parler de l'évangile là. Alors, il mettait à enseigner dans la synagogue là, mais Mounsayo qui dans le village là, ils ont tous été surpris. Et a posé tête aux questions, ça grivait-il homme non que lui a parlé comme ça. Oh, monsieur était tellement prend temps pour que lui capable observer temps, lui vienne tourner un sujet de joie pour nous. Yo étonné, yo saisi ouais qui qualité parole de sagesse qu'a sorti dans Tinegra. Et c'est là ça, là Jésus dit yo. Yo pa ka reconnaître qui laisse lié et yo même t'es essayé pour yo wè si yo t'a détruit. Donc de la vie Jésus pendant 30 années dans Nazareth tant qu'on nous dit nous pas connaît rien de ça. On dit nous justement que la vie cachée de Jésus et passage ça confirme le bien puisque mon yo étonné pour yo wè parole Jésus qui t'a sorti dans bouche Jésus yo nous wè Jésus te mené une vie cachée une vie qui pas au vu de tout le monde une vie qui t'est cachée. En effet, si habitant Nazareth yo tellement surpris de ça Jésus a accompli Jésus de Nazareth, c'est que pendant 30 années, Jésus était vivre d'une façon complètement normale, tant qu'on n'est pas moun dans Nazareth. Il y a là pour nous un grand enseignement. Jésus, petit bon Dieu, il fait le moun et il passe plus grande partie dans la vie. À vivre une vie normale, dans la pauvreté, dans la simplicité, dans le silence. Nous voulons parfois accomplir une série de bagailles extraordinaires, des grandes œuvres, faire un pile bruit. Mais Jésus a enseigné nous valeur, si détail yo gagné dans la vie nous. Les petites choses dans la vie ordinaire nous que nous vivons avec remet avec dévouement fruit spirituel de ça nous fait pas dépendre de grandeur ou de importance acte nous yo mais yo dépend de l'amour avec lequel nous les faisons. C'est remet avec qui qualité l'amour ou fait ça ou fait ça. C'est pas ça ou fait ça qui a plus valeur, mais c'est comment on fait. Et c'est peut-être ça que nous souvent dit, eh bien, le bail, faut qu'on comment pour bail. Faut qu'on comment pour bail. Ou qu'à bail, nous belle plate manger qui bien, bien goût. Et puis façon bay moun nan manger a moun nan pas même manger
parce que vous pas balil, Jean pour balil. Donc, il faut donner, mais il faut savoir comment donner. La manière de donner compte. On a un monde qui est capable de caler les avocats, mettre le sous-table. Jean cale les avocats, mettre le sous-table. Il mettait trois petits bouts d'avocats sous-table. Ou manger là avec un pile appétit. Mais il y a un autre qui doit laguer trois avocats sous-table. Ou pas sentir que ou avez envie pour manger. Bon, mesdames, vous comptez ça bien. Cette tendresse-là, hein, yo compte ça bien, pas vrai? Donc, depuis sur ranger table-là, mon côté en dehors, dès qu'on allait longtemps, dès pour faire son paraître, dès pour paraître, yo getan ranger table. Yo pourquoi aller chercher un homme, non? Yo getan ranger table-là. Yo pourquoi même alkei café a? Yo getan rangé couvert pour de façon pour faire comprendre et que ou bienvenue. Donc Jésus a demandé nous pour nous apprendre cultiver façon ça yo. Donc c'est quand comme on dit la moindre parcelle de pur amour est plus précieuse à Dieu, plus profitable à l'Église que toutes les autres œuvres ensemble. Jodia, nous besoin vine l'Église, nous besoin, eh bien, bon chrétien dans l'Église là, mais il y a un petit bagaille, un petit détail qui est important. Ça va faire, faire avec tout cœur. Faire avec tout cœur. Merci, Gomette, d'être venu sur la terre, d'être devenu un homme parmi nous. Grâce à toi, toute notre vie a désormais un sens. Grâce à toi, nous pouvons sanctifier même les choses les plus ordinaires de la vie. Remplis mon cœur d'amour, Jésus. Faire les plus petites choses de la vie avec amour. C'est ça, nous prenons comme résolution. Quel que soit ça, nous avons bien pour nous faire, nous avons demandé bon Dieu pour nous faire avec amour. Si nous avons pour nous dire bonjour, nous avons dit bonjour avec amour. Si nous avons pour nous aider au monde, nous avons aidé avec amour. Si nous avons pour nous réprimander au monde, nous avons réprimandé avec amour. Si nous avons pour que nous avons corrigé au monde, nous avons corrigé avec amour. Parce que tout ça fait avec amour, c'est bon. Mais madame, ménage, en mourir ou besoin corriger yon bagay nan li, corrigez-le avec amour. Petit tout, ou besoin corrigez-le avec amour. Amen. Notre tendresse, bon Dieu, en nous camper pour nous demander Saint-Michel Archange, Gabriel et Raphaël, pour que vous portiez nos secours, pour que vous capable aider nous, grandir dans la foi, pour la vie nous, capable de tourner une offrande pour bon Dieu, pour que vraiment bon Dieu soit capable d'ancrer dans la vie par nous. Un chant à Saint-Michel. Saint-Michel, défends-nous nos combats.
Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Jésus-Christ, aie pitié de nous. Jésus-Christ, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, écoute-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste qui est Dieu. Fils rédempteur du monde qui est Dieu. Esprit Saint qui est Dieu. Trinité Sainte qui est un seul Dieu. Sainte Marie, reine des anges. Saint Michel archange. Saint Gabriel archange. Saint Raphaël archange. Esprit bienheureux des neuf cœurs des anges. Saint Michel héros du grand Christ roi et de la reine du monde. Saint Michel miroir de l'humilité. Saint Michel terreur des démons. Saint Michel, protecteur et défenseur du Saint Sacrifice de la Messe. Priez pour nous. Saint Michel, rempli de la sagesse de Dieu. Priez pour nous. Saint Michel, parfait adorateur du Verbe divin. Priez pour nous. Saint Michel, couronné d'honneur et de gloire. Priez pour nous. Saint Michel, très puissant prince des armées du Seigneur. Priez pour nous. Saint Michel, porte-étendard de la très sainte Trinité. Priez pour nous. Saint Michel, gardien du paradis. Priez pour nous. Saint Michel, guide et consolateur du profond peuple d'Israël. Saint Michel, splendeur et forteresse de l'Église militante. Saint Michel, lumière des anges. Saint Michel, rempart des orthodoxes. Saint Michel, force de ceux qui conduisent les étendards de la croix. Saint Michel, lien de la charité fraternelle. Saint Michel, lumière et confiance des âmes au dernier terme de la vie. Saint Michel, secours très assuré. Saint Michel, notre aide dans toutes nos adversités. Saint Michel, héros de la sentence éternelle. Saint Michel, consolateur des âmes retenues dans les flammes du purgatoire. Saint Michel, que le Seigneur a chargé de recevoir les âmes après la mort. Priez pour nous. Esprit bienheureux des neuf cœurs des anges. Priez pour nous. Agneau de Dieu qui ôtait les péchés du monde. Pardonnez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui ôtait les péchés du monde. Exaucez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui ôtait les péchés du monde. Aie pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Priez pour nous, ô glorieux Saint-Michel, prince de l'Église de Jésus-Christ. Afin que nous puissions être dignes de ses promesses. Priez pour nous, Saint-Gabriel archange. Afin que nous devenions de vrais apôtres de Notre-Dame. Priez pour nous, Saint-Raphaël, notre guide. Afin que nous soyons fidèles à notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Pensez à tout le monde, chaque monde qui mandait nous secours de la prière. Seigneur Jésus, sanctifiez-nous par une bénédiction toujours nouvelle et accordez-nous par l'intercession de Saint Michel, Saint Gabriel, Saint Raphaël, cette sagesse qui nous enseigne à amasser des trésors dans le ciel et à échanger des biens du temps contre ceux de l'éternité, pour qui vivez et régnez dans les siècles des siècles.
Ensemble, frères et sœurs bien-aimés, au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que cette offrande sainte nous apporte à jamais, Seigneur, la bénédiction du salut, afin qu'elle donne toute sa force à ce qu'elle accomplit dans le sacrement. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, à notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour la gloire et notre salut. De d'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père ou très saint, Dieu éternel et tout puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde. Par le Christ, notre Seigneur, par lui les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur rime de l'orange, laissez-nous joindre nos voix pour chanter et pour clamer. Qui est vraiment saint,
Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de te tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir de ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque, Monseigneur Max, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi particulièrement de ta miséricorde, Seigneur, de tous les défunts, les noms précités. Accueille-les, Seigneur, de la lumière de ton visage. Sur tous ceux qui recommandent à nos prières, sur tous ceux qui célèbrent aujourd'hui un nouveau printemps, comme Béatrice Destin, Brunette Métayer, Renoir, Catherine, Julia, Nicolas, Ginette Abuto, Jacques Germain, John Spirit, Chesky, Saint-Lô, Juste Ignore, Giovanni, Kurt, Nathanaël, Pierre, Marie-Emmanuela, Dieu Juste, Emmanuel, Dieu Juste, Marie-Hélène, Fabien, groupe des servantes, des servants de la Vierge d'Altagrâce, Nadine Brizard, prophète, le révérend Père Bertoni, Chérubin, membre du groupe Union familiale de la Vierge Altagrâce, le révérend Père Kisnel Jean-Baptiste, Rose Berlin, Seyus, servant d'hôtel et membre de l'équipe communication de la paroisse, Chelsea Prosper, Wannick Charles, Anne-Chiara Bouzy. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire
pour les siècles et des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles et des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, frères et sœurs bien-aimés, donnez-vous la paix. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Jésus nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Non, mais fais un mot.
Prions le Seigneur en nous faisant fort, en nous camper. Rassasiés par le pain reçu à la table du ciel, nous te prions, Seigneur, que cette nourriture fortifie en nos cœurs la charité et nous stimule à te servir dans nos frères. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. M'a dit bon Dieu, qu'on mette là pour le bon force, parce que vous avez besoin de force. Pour ne pas quitter découragement pour te noyer. Ouvre les bras ou devant bon Dieu quand mettre là. Remets tout dans main, bon Dieu, la vie. Ya. Li connaît en plus que vous comptez tout. Li connaît tout ça qui a traversé ou dans le moment. Remets-lui tout bagaille.
Espoir nous sous grand main, non certain n'a qu'un contentement. Allah ou bon grand maître pour mon qui saint, pour mon qui gagne. Tout à clair, où t'en t'es prêt pour ne graisser tomber. Les moins ouais chance, méchant yo gagnant. Espoir nous. Pour tout le monde qui a gagné qui est bien loin, pour tout dossier que a gagné qui est caché dans le tiroir, pour tout problème qui a gagné qui est marré avec combien de nez, on nous demande Saint-Michel, Saint-Gabriel, Saint-Raphaël pour le défendre nous. Prière au Saint-Archange, au grand Saint-Michel-Archange, ou même qui remplit avec sagesse mon Dieu qui fort dans tout combat, vienne porter nous secours. Porter secours à tout le monde, à chaque monde qui recommande trentaine ça. Soutenir nous dans difficulté avec épreuve nous yo. Et si la yo qui pas capable, consoler yo, les a souffri tant que les a crié. Ba nous force à courage. Pour rien pas faire nous désespérer, ni douter des présences de mon Dieu dans la vie nous. Saint Michel Archange, défends-nous, protégez-nous contre toute force mal. Saint Michel Archange, défends-nous, protégez-nous contre tout ennemi visible et invisible. Nous remettons tout combat nous yo dans la main. Saint Gabriel, Archange, ou même qui s'efforce avec messager, bon Dieu, portez-nous secours, campez avec nous, pour nous capables de force, de force, pour nous capables de force, avec force, bon Dieu. Campez avec nous pour toute vieille force, restez loin nous, fais-nous remplir avec force, bon Dieu, pour nous arriver à remporter la victoire, non tout ça qui mal. Campez avec nous pour nous toujours dire bon Dieu oui. Même Jean la Vierge Marie te dit oui. Là où t'es annoncé le naissance sauveur nous Jésus-Christ. À travers ou même nous voulons confier bon Dieu toute la vie nous. Saint Raphaël Archange, ou même qui compte faire guérison. N'a pas supplié pour guérir nous ensemble à tout le monde qui est malade dans le corps, dans le cœur et dans l'esprit. N'a pas présenté tout le monde qui est malade dans la famille nous, à tout l'autre malade qui comptait sur la prière nous, à secours. Couvrez-nous en bas nous pour aucune maladie ne fait nous paix, mais pour nous toujours faire bon Dieu confiance, lui-même qui a pouvoir guérir toute maladie à toute infirmité. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Supplique à Saint Michel Archange. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire. Nous vous le demandons en suppliant. Et vous, prince de la milice céleste, repoussez en enfer par la vertu divine Satan et les autres esprits malins
qui est dans le monde pour la perte des âmes, ainsi soit-il. Saint Gabriel, Saint Raphaël, priez pour nous. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous et protégez-nous. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous et protégez-nous. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous et protégez-nous. Frère avec ce moyau, nous comptons ensemble avec vous à midi ça pour nous dire bon Dieu merci. On nous bat tout gros bravo pour bon Dieu la vie. Et nous dit merci avec nous chaque, avec nous toutes. Qui te permettent journée ça à commencer comme ça. Merci avec tout le monde qui déjà eh bien inscrit non yo pour trentaine ans. Merci avec tout l'autre monde qui a bien pour faire pas quitter occasion ça passer pour que ou pas inscrit non pour trentaine ans. Non avec Saint Akangio. Donc nous dit merci avec duo qui t'a chanté pour nous avec tambourinet nous, avec musicien nous, merci avec caméraman nous, merci avec toutes amis internautes nous, merci avec nous chaque, avec nous toutes, merci avec membres d'accueil, membres d'ordre, membres nettoyage, membres quête, secrétariat, merci avec nous chaque, merci avec nous toutes, que bon Dieu grand maître là, remette nous ça au centuple. Batou gros bravo pour tête. Nous comptons pour nous célébrer avec Silayo qui a fêté anniversaire naissance. Nous voulons parler de Béatrice Destin, Brunette Métayer. Si vous là, nous demandez pour vous avancer. Catherine Julia Nicolas, Finette Tabouto, Jacques Germain, John Spirit, Cherky Saint-Lô, Jude, Juste Ignore Giovanni, Kurt Nathaniel Pierre, Marie-Emmanuela Diojus, Emmanuel Jésus, Marie-Hélène Fabien, Groupe Servant les Altagrasse, Nadine Brizard Prophète, Révérend Père Bettori, Jérôme Roubain, Vierge Altagrasse, Révérend Père Kestnel Jean-Baptiste, Rose Berline Seyus, notre sœur, notre servant d'hôtel et membre de l'équipe de communication, Chelsea Prosper, Vawanik Charles, Anne Chiara Bouzi. Mounsayo nous dit, eh bien, bonne fête. Nous souhaitons que bon Dieu la vie, lui comble à grâce et bénédiction. Nous avons demandé chorale là pour chanter pour yo capable, eh bien, bien enjoy you dans un bel jour fête ça. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Nos remerciements se dirigent vers nos servants d'hôtel. Nous leur disons merci et que bon Dieu continue dans la vie, ça a commencé. Il m'a pas invité nous camper pour nous recevoir bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la joie du Christ. Bonne journée, bon travail tout le monde. Merci mon père, à vous de même. Merci. Je